Wesh. Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Trasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Il est précis, nous sommes aussi à cette date de lundi, 4 avril 2016. Voilà, shalom au monde entier, à tous nos amis internautes. Je suis à Paris, gloire soit rendue au Seigneur, parce que je suis en pleine tournée européenne. Ouais, tu peux ne pas aimer Trasso. Je ne suis pas obligé d'aimer le prophète Trasso. Mais nous avons un sujet sur lequel nous débattons le plus, c'est les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie. Aujourd'hui, le problème est que ce mal est en train de ronger et détruire beaucoup de personnes. Et chaque jour, il peut faire des centaines de familles, des centaines de dissiper des pays, des régions et tout ça. Et c'est vraiment important d'en parler. Et c'est le problème clé aujourd'hui de l'Afrique. Parce que les Blancs ayant combattu la sorcellerie, ils vont rentrer pleinement dans le cercle qu'on appelle le cercle de lumière, la révolution industrielle. Nous sommes intellectuellement assis maintenant à cause de la civilisation. Aujourd'hui, nous avons un sous-sol africain très riche. Nous avons l'uranium, nous avons la manganèse, nous avons le fer, le diamant et toutes sortes. Nos sous-sols est très riche. Nous avons aussi tout. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, sur le sol africain, il y a le retard. Oui, on peut ne pas aimer le prophète Trasso, mais qu'est-ce que vous en dites par rapport à la sorcellerie? Parce que les Blancs ont combattu la sorcellerie. Et oui, ils ont combattu la sorcellerie au Moyen Âge et ils sont rentrés pleinement ce qu'on appelle le cercle de lumière de la révolution industrielle. Nous sommes aussi à l'étape aujourd'hui de sensibiliser les gens, de leur ouvrir les yeux. C'est ça notre ministère, d'ouvrir les yeux sur un phénomène sur lequel les gens ont peur. Sur un sujet sur lequel la peur, c'est une lecture de la sorcellerie. C'est vrai que par moments, on peut lui demander le prophète Trasso, on peut rencontrer tout ce qu'on dit du prophète Trasso. J'ai toujours dit, il y a plus d'enfants de Satan que d'enfants de Dieu. Voilà, la plus grande religion au monde, c'est Bouddha. Après, c'est l'Hindouisme, la religion catholique, la religion musulmane vient en troisième position. Après, ça vient, n'est-ce pas, l'Église catholique, les protestants. Après, ça vient, n'est-ce pas, le sixième position. En sixième position, les évangéliques. Voilà, donc c'est normal parce que les enfants du diable n'aimaient pas, quand on parle de leur papa, ils vont attaquer le prophète Trasso. C'est vrai, je n'ai pas dit, tu peux ne pas aimer le prophète Trasso, mais le sujet de la sorcellerie. La plupart de ceux qui me vilipendent, vous allez les voir que dans leur sujet, ils ne vont jamais parler de la sorcellerie, ils ne vont jamais parler du diable, ils vont simplement parler d'autre chose que de parler du diable. Nous, nous désonçons les œuvres du diable parce que la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Une chose est claire, c'est que l'Afrique souffre. Et nous, les Africains, nous souffrons encore de cette présence. C'est pour cela que notre ministère consiste au dévoilement et la destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous sommes au niveau aujourd'hui de la sensibilisation pour faire comprendre qu'il y a un monde qui existe, un monde de ténèbres autour de nous, c'est en train de ravager certaines personnes. C'est pour ça que je suis sur le sol européen pour vous sensibiliser et le sujet est tellement venez investir en Afrique. Mais venez investir, bien sûr, il faut qu'on vous délivre. Voilà, il faut qu'on vous délivre. Et si on ne vous a pas libéré, parce que tu peux être là et spirituellement lié. Bah, le fait que les sorciers t'ont bloqué tes finances, ont bloqué tous tes biens, ton mariage, ton quotidien est bloqué. Et c'est cela que je suis en pleine tournée. Et gloire soit rendue au Seigneur parce que ce week-end, le mercredi, je serai en Suisse, à Bâle. Je serai en Suisse pour une croisade. Après la Suisse, je vais attaquer le Danemark. Après le Danemark, c'est Belgique. Voilà, donc, gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes en pleine tournée européenne. Celui qui a affaire à Trasso, qui attaque Trasso, il est déclaré enfant du diable, parce que nous combattons les œuvres de la sorcellerie et du diable. Et c'est pour cela que je suis en pleine tournée européenne. Merci pour ceux déjà de la Suisse. Je confirme que mon arrivée en Suisse, c'est pratiquement le mercredi. Et nous allons démarrer des grandes séances. J'ai eu une grande veillée le vendredi en Suisse, ce vendredi 8 en Suisse. Et après le samedi, nous allons les rencontrer avec la diaspora, prier pour eux, leur affaire, tout ça. Et nous allons vous rencontrer personnellement en Suisse. Nous allons organiser une rencontre en privé. Nous allons parler avec vous. Nous allons prier pour vous. Et je vais parler avec vous. Et je vais vous aider. Nous allons prier. Déjà rentré en contact avec le frère Blesson. Voilà pour tout. Et je pars en tournée pour deux semaines à ce moment de la France. Et je vais revenir après deux semaines pour, n'est-ce pas, pour avoir des grands centres de prière. Et cette fois-ci, je vais vous rencontrer en privé. Je vais parler. J'ai envie de parler avec vous. Avoir vos préoccupations, vous délivrer. Donc, cette semaine, je serai absent de la France. Rentrez en contact avec le frère Brisson pour que tout soit bien organisé et que d'ici deux semaines, on puisse vraiment vous aider. Voilà, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous délivre, qu'il y ait pitié de vous, qu'il vous délivre de cette situation dans laquelle vous trouvez. Shalom, que Dieu vous bénisse.